ne pouvant plus prononcer un mot et devenant liquide. Monsieur Neige est maladroit et sa cour insistante durant tout l'hiver. La belle ne le voit pas, elle est froide et distante. Il ne peut rien y faire. Maintes fois, il tente de l'approcher, mais la peur le tiraille et lui noue les entrailles. Il passe. Passe les cendres et l'arrivée du printemps se fait désormais pressante. Notre ami doit se décider, la chose est évidente. Oser pour éviter les cendres, oui mais voilà, il se laisse submerger. Et quand il la voit, son ventre est un épicentre. Sa présence est embêtante, tant sa gêne est oppressante. Il bafouille et puis se trompe, se paume et ses paumes se trempent. Sur son front goûte les perles d'une souffrance lancinante. Une terreur tellement silencieuse qu'elle en devient stridente. Monsieur Neige, au fond d'amour, une jolie dame, mais elle reste de glace sortilège. Il ne peut lui avouer sa flamme, car quand ils sont en face, tout s'allège. Sa poitrine et son cœur à chaud, il est tellement timide qu'il abrège, ne pouvant plus prononcer un mot. Et devenant liquide, Monsieur Neige, le dernier jour de l'hiver, prend son courage par la main, l'emmène chez la belle. Même s'il se sent bouilli, même si c'est un enfer, il préfère tout lui dire enfin, plutôt que de vivre sans elle. Et ben, il préfère mourir. Il se plante devant sa porte, chuchote, parle, crie, lui hurle qu'il aime tant que son amant brûle et qu'il faut qu'elle sorte. Elle ouvre d'une voix fébrile, lui avoue que depuis le premier jour elle brûle du même amour et qu'elle redoute tous les redouts d'avril. Leur flamme grandit, la passion les consume tant qu'ils se mettent à fond. Quel délicieux incendie, il n'y a plus rien à craindre, ma douce. Il fut le soleil et sa torpeur se réchauffe le corps et le cœur. Il s'évapore. Il s'envole et se mêle dans un nuage blanc. Après quelques instants, milliers de flocons flottent légèrement dans l'air. Il neige comme des cristaux d'amour.